Bien le bonjour les petits chats, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va super. Et aujourd'hui on se retrouve sur Raft. On est toujours sur notre petit radeau. On est toujours en compagnie de Monsieur Oops qui est juste en bas. Et Monsieur Pagis qui est là-bas sur l'île. Ouais, ils sont toujours là les deux. Il n'y a pas de problème, on les a pas perdus en route. La dernière fois on s'était arrêté au niveau d'une toute petite île. Vraiment toute petite. Mais il nous fallait du métal. Du coup, on va aller farmer ça. Et on va rejoindre, je pense, un petit peu les copains sur l'arbre. Pagis est en train de nous faire tous les petits arbres de l'île. On va aller dire bonjour. Et coucou tout le monde! Et coucou, comment ça va? Bah, ça va. Même si je suis seule au monde. Miaou! Ça va! Ah, ça va, t'es là. Ah, ou, ok. Par contre, Pagis, il nous a abandonné. Lui, il est parti direct, quoi. Ouais, il est là, ouais, il est parti sur l'île. Il est parti ouais. Sur l'île. Le point de vue, il est sympa d'ici, là, avec l'eau et tout. Mais... Faut du métal! Vu sur radeau, ça dit quoi? Les gars, sa fille, il y a un broussi, hein. Broussi, où es-tu? On lance son live, j'ai vu qu'il y avait un broussi brousse qui était là en train de se dire où est sa fille? J'ai faim. Je l'ai trouvé! Hein? Si j'ai d'espoir, le first cookie. Cookie cookie. En fait. Bah oui, faut que j'en fasse un grappe moi. Oh, bah ça se fait que j'ai plus de grappe. Mais il en a pas après moi le poussi. Ah bah super, bon bah je retourne au radeau faire un grappe. Bon si, il veut pas me manger hein, alors. Non, il attend pas juste, hein. Il attend pas juste. Ouais, ouais bah moi je vous le laisse broussi hein. Il est où broussi, je le vois pas. Ouais, il fait sa life. Ah, ça y est, il m'a vu. Ça y est, il a compris qu'il y avait quelqu'un à manger. On n'arrive pas à monter sur le. Il a trouvé le casse-croûte, Broussi. Ça y est, j'ai réussi. Je me noie. Broussi, il va se ramener. Ah. Je suis trop loin. Mais il est où? Est-ce que... Ah. Bruce. Fais pas le con, Bruce. Je crois qu'il y en avait en bas. Let's go. J'ai un arc maintenant, Bruce, je récolte zéro! Va taper, Bruce! Mais avec respect et bienveillance, bien entendu. Oui, toujours respect et bienveillance. Très bon. Bruce, il a mangé, oups. Hop, hop, on fait le tapot. Moi, je vais me noyer. Tac. Il veut pas mourir, Bruce! Ça me paraît pas mal. Let's go! Bah ouais, mourir. Let's go. Non, lui est mort. Ah oh mince, la flèche Bruce. De trop. Oh si, Bruce. Oh si, Bruce. Il est mort, ton Bruce. Viens chercher du métal, Pagis. C'est le moment de lui faire un tatouage, comme ça quand il reviendra à la ville, il aura un tatouage. Il a ta flèche plantée dans la gueule, impossible à récupérer, ça fait. Ah bah, c'est des choses, ça arrive, voilà. Du coup, priorité au métal. Métal. Métal, oui. Métal, beaucoup métal. Ok, bon, on va essayer, hein. Là je vais le refaire ma... Après c'est une petite île, je sais pas si on va en trouver beaucoup. J'en ai trouvé ouais. Deux. Konnichiwa! Konnichiwa Xena! Konnichiwa Xenator, comment ça va? Il fait tout noir. On lui donne tous un petit nom. Mais pourquoi est-ce qu'à chaque fois qu'on est dans l'eau là, comme ça, est-ce qu'il fait noir? Pourquoi? Chocobo! Chocobo Zad, comment ça va? Coucou à Zad aussi. Ouais. Salut, Rosad! Coucou, Zad! Jacobo! On a Xenator, Xadoune, Oupsi. Et sa fille, il n'y a pas vraiment de surnom pour sa fille. Et c'est quoi le surnom de Death? Death, je sais pas. Il n'y en a pas. Minerai de métal, x3. J'y vois rien! Il est passé à côté, il les a même pas ramassés. Il les a même pas vus. Voir, c'est sa fille. Ouais, peut-être, je crois que c'est. Là, je remontais à la surface, donc c'était peut-être moi. Non, je pense plutôt que c'est sa fille, parce que sa fille. Ah non, j'en ai là. J'en ai! Chut! Métal! Mais il fait trop sombre. C'est vrai qu'on voit rien, c'est un délire. Ça, c'est pas une autre photo. À la bugle! Moi, je suis sûr, oups, il le fait exprès de toujours tuer Bruce, parce que là, c'est lui qui l'a tué encore quand il fait nuit. Non. Mais non, c'est pas moi. Bah, c'est toi qui as tué Bruce ou c'est pas toi?
Eh, hey, c'est qui est-ce qui l'a mis toutes ses flèches avant moi? Je l'en ai mis juste mis une. Kikou, Zadouné. Coucou. Coucou, Zane. Putain. J'aurais m'étouffé, moi. Ah non, le perso, il a faim, abusé. Tiens, moi, bah, faut manger. Ce serait bon. Bien, bien, bon. Là. Attends, Zad, je vais changer ça. Zad, il a... Oups, il a tout cassé. Ah là. Non, je suis un boulet. Il a cassé juste après. Il a cassé aussi. Il a... Hein? Hein? Nani? Continue notre... Oh là, oupsi, il est cassé. Ah, il a pas changé le titre de son live. Rado. Ah, il était sur Conan peut-être là encore, non? C'est ça. J'ai bien changé comme un gros délire. Raft Exile. Bienvenue tout le monde, ça va tarder. Surtout que Conan c'est quand même légèrement dans le désert, c'est totalement l'opposé de Raft. C'est ça. Terrible. Bon bah écoutez, moi je crois que qu'intéressant là, il y a plus grand chose à sauver. Moi j'ai ramassé un peu. Et dans l'eau d'ailleurs. Du coup je reviens. Je reviens. Y'a plus de métal? Ouais, j'ai trouvé 3 de métal. Moi j'ai... Ouh, on est riche. Pam. Mon crochet il a cassé. Pam. Ouais, parce que j'ai trouvé du cuivre, mais bon, tant pis pour le cuivre, je pense. Hein. J'en ai ramassé aussi du cuivre. Ah non, il y a du métal, bordel, j'ai plus de crochet. Ah bah bravo. Ça, c'est con. Bravo, bravo. Pas moyen d'en refaire. D'ailleurs, en bouffe, normalement, on était large, j'avais fait plein de trucs. Je sais plus. L'objectif, voilà. Ça serait quoi pour le coup? Ne pas se faire manger par Bruce, déjà. Ouais. Ça, donc, c'est déjà foiré. Et aller à la prochaine destination. Bruce, fais pas le con! On s'est pas fait manger par Bruce, mais on s'est pas fait manger par Bruce! Bah ouais. Beaucoup toi! Bruce, il fait le con! Regardez, il s'appelle culot! Au secours! Bruce, il est méchant! Bah ouais, j'avais de quoi refaire un crochet, du coup j'ai refait un crochet parce que j'ai toujours 30 millions de conneries sur moi, donc j'avais de quoi refaire un crochet. Mais Bruce, il m'embête. On a un petit peu faim. Ah, écoute, est-ce que tu l'aurais pas embêté avant? Beaucoup faim. Non, c'est toi qui l'as tué. Et c'est sur moi qui viens se venger. Mais toi qui l'as mis toutes les flèches avant. Ouais, je vois pas de quoi tu parles. Le truc, là. On peut faire ça. On peut lever l'ancre? Ça, on en a pas vraiment. Bah, je sais pas, ça... vas-y, t'es sur le bateau? Ouais, je suis là, moi je suis de retour. Vas-y, vous. Bon, on s'en va. Du coup, la prochaine destination, c'est où, Sophie? Bah, j'en sais rien, moi. Le retour du coup, si. Ah, tu sais pas où on va? Moi je mets déjà mon métal à fondre. Ah ouais, tu le mets le mien en hauteur du coup le dans le coffre là. Ouais, dans le coffre. Prochaine destination, est-ce qu'elle est activée déjà? Oui, on est à 2000 mètres, c'est loin. Et c'est droit devant. Droit devant? J'ai mis le métal dans le coffre. Sauf qu'on va à reculons. Donc. Non mais c'est pratique, hein, de toute façon, pratique. Donc c'est mort, va falloir attendre. Par contre, on a les moteurs à faire, s'il y a quelqu'un qui est chaud pour faire des moteurs. On fait ça comment, les moteurs? Dans ton bidule, machin chose, ton carnet, tu as dans la petite voile, tu as les moteurs. Il faut beaucoup de métal, des cordes, des circuits imprimés et beaucoup de planches, évidemment. Et il faut dire la zone où est-ce qu'on va les installer aussi. Ok, ben, il faudrait pas faire un coffre spécial coffre en hauteur, ou comme ça on n'y touche pas, spécial pour les moteurs ou pas? Soit si on veut continuer à agrandir le radeau en parallèle. Mais faut continuer à agrandir le radeau en parallèle. Mais okay. En fait, il y a tout plein de trucs à faire, en fait, tu vois, et c'est ça qui est problématique, c'est que... Ouais, du coup, on part sur compliqué. Encore l'agrandissement du radeau. Tout il est compliqué. On avisera après. Tout il est extrêmement compliqué. Voilà. Il y a tellement de choses à faire, c'est qu'on pourra pas tout faire que c'est compliqué. Bah, j'ai plastique un champ entre les deux bras, c'est que... Bah non, mais sinon c'est trop simple, aussi, faut le dire. Ah mais je te jure, c'est les Yuki qui s'est allongé entre mes deux bras là. Le malus en chat, impeccable les gars. Ah le... Et encore, là ça va, j'ai juste le malus 1, j'ai juste le malus niveau 1. Ah ouais, comment ça, malus, un malus ça niveau 3. Les chats c'est jamais un malus, chut. Ah ça tu l'as compté le malus Safi, techniquement c'est un chat. Hein. Oh ouais, non, ça va, t'es des merdes. T'es ça des veut merdes, dire quoi ça? Vas-y, bah, si tu cherches les embrouilles. Ça marque du plastique. Oh, il a pas besoin de les chercher, hein. Il va 20 mètres après, un petit peu plus loin de lui. Et coucou, destructeur, comment ça va? Salut! Coucou.
Poutoum. Là-bas. Un petit bidon. Du coup, Pagis, il est en train d'agrandir le bateau, c'est cool. Vous, ça va? Ouais, ça va. Non, donne les œufs. Voilà. Donne les œufs. Résultat, on a juste à 3 de... Il y a des planches qui volent. Bah, du coup, je vais m'occuper d'améliorer, de renforcer le bateau, histoire que ça ne coule pas. On va faire fondre tout plein de métal. On va tout faire fondre. Faut du métal. Eh, stop, viens là. Plonge dans l'eau, je m'en fous. Vas-y, salut Bruce, tu m'as raté en plus. Bruce, t'as le Bruce, le vrai Bruce. Oh, critiquez pas Bruce, ouais. Le pauvre petit. Bah, Dieu, il est arrivé, il s'est fait tuer. Le truc, on vient de se fondre, on l'a déjà défoncé, quoi. Magis, ça avance pas assez vite tout ça. Non. Faut travailler plus vite. C'est pas Pagis, ça c'est où? T'as qu'à nous donner du plastique. Ouais. Bah écoute, il y en a plein dans la mer, tu te débrouilles. Ce plastique, il y a. Avancé, il y aura. Est-ce que. Ça m'étonne pas qu'il y en ait plein dans la mer. Est-ce qu'on avait utilisé les appâts? Non, là il y en a encore des appâts. Okay. Ça, on va mettre ça là. Plastique, bien plastique. Bien plastique. Soit les restes, je sais pas s'il y a quelqu'un qui les veut. C'est la douce. Goudes, t'as mis le petit loup. Il y a quoi là-dedans? Le petit loup du marin d'eau douce. Ça, c'est les poissons qui ont été pêchés. Ok. Faudrait une canne à pêche. Canne à pêche, canne à pêche, canne à pêche, pêche, pêche. J'ai regardé les oiseaux en haut là. Ouais, va pas me dire le jeu qu'on n'a pas de corde. Ça, c'est pas possible. Ça, tu peux pas me dire qu'on n'a pas de corde. Voilà. Allez là, on veut du plastique. Bien, bien, Big Burger. Grossis le droit devant. Let's go. Ah, il y aura peut-être un peu de métal là-bas. Sûrement. Eh, Bruce. Aussi. Calmos, hein. Qu'est-ce qu'il a fait encore, Bruce? Il est pas sage? Calmos, amigos. Bah, comme d'habitude, il est jamais sage, Bruce. Bah. Je sais pas, des fois, il peut l'être. Et il veut pas attaquer le métal de temps en temps, que, enfin là où j'ai renforcé, plutôt que de casser là où il s'est pas renforcé. Bah peut-être qu'en fait il est intelligent, il s'est dit je vais pas me casser les dents sur du métal. Tu crois? Peut-être. Pas sûr. Abroussi, dis-leur que t'es intelligent. Parce qu'il est intelligent au point de parler quand même. Ne crie pas trop fort aussi, parce que s'il y a des dauphins qui t'entendent, ils vont risquer de rigoler, de se foutre de ta gueule. Ouais, c'est quand même bien, Safi, parce que là, on va en plein dans l'île, je crois. Oui, on va en plein dedans. Totalement en plein dedans. On devrait pas avoir à corriger la direction. Ok, ça se fait. Plastique, plastique. J'avance, hein, moi, la construction quand même, un peu. Attendez, ils étaient où, les poissons? Les poissons, ils sont là, ça, c'est les poissons à vendre. Du coup, on va mettre les cubes aussi avec. Non, attends-moi. Ah ouais, plus on avance, plus elle a l'air énorme en vrai, Lila. Elle a l'air d'avoir quand même pas mal de... Ouais. Pas mal. Coucou Xena, merci pour les cookies. Par contre, je vois pas de cave d'ici. Bidon. Non, c'est pas l'île où on va. Ça va, pas de panique, c'est pas c'est pas The Hill. Oh, bidon, il y a des choses. Par contre, il nous faudrait absolument un lama, ça serait bien. Faut qu'on trouve le lama. Bah on verra, faut dire qu'il y en ait un sur l'île déjà. S'il y en a pas... Yep. Faut un lama. On va pas le péter, hein, s'il y en a pas. Miam miam, la noix de coco. Miam miam. Il faut un lama. Il est en place, on se voit encore un peu de place. Et il faut le chargeur de batterie aussi. Le chargeur de batterie, il va par contre très bien pour. Effectivement, ça c'est le truc que je pense, ça pourrait se faire avoir. Une planche! Comment ça, on a besoin de Xena? Non, on gère en vrai. J'ai pas faire deux fondations. On est des professionnels. Ça va ici ou il faut arroser? On va se laisser aller dans l'île directement, on la fera l'anglais. Hein. Tranquillement, hein. Mon cher, voyons, on est des pros, nous. Effectivement, on va bel et bien dans l'île. Hein. Alors là, paf! Attention, collision! Iceberg droit devant! On est dedans. Eh, on n'est pas le Titanic. Hein. En plus, le Titanic, ils ont même pas donné l'alerte. Ouais, on est que nous, bah, vu que tu l'as sonné l'alerte, c'est fait. Ok, moi je vais aller voir le marchand. Hein. Devrait y en avoir un sur cette île. Encre jetée! Yeah!
Voilà, on est garé. C'est bien ça. Je n'aurais pas dit qu'on était garé, moi. Est-ce que t'as payé le stationnement, moi? Non, c'est gratuit. Avant d'aller sur l'île, pense à te vider. Quoi? Okay. Mais quoi? Je sais pas ce que ça veut dire, ce mot. Vider mes poches? Je connais pas. J'ai pas l'impression qu'il me puisse. En plus, je prends de quoi capturer. Bien aimable. Bien aimable de ta part. J'ai trop de trucs sur moi. Je t'ai dit de te vider. Y'a pas de place. Si, les coffres ici, là. Ça va, bon, j'ai légèrement vidé les poches. De toute façon, je vais aller voir le marchand, ça va me vider les poches. Paniquez pas. Je vais croiser un lama aussi, ça va me vider les poches. Et puis tout sera nickel. Je me suis fait une petite hache. C'est moi, il est l'appel. Il est où l'appel? C'est moi qui l'ai. Mais normalement, c'est toi qui l'as, oui. Bah oui, c'est moi qui l'ai. Ça fait deux jours que je dis c'est moi qui l'ai. Tu t'es vidé les poches au moins, parce que la dernière fois, je me souviens que j'ai dû passer derrière toi. Hein. Oui, bien sûr. C'est vrai ça. Bon, tout un live, on devait passer derrière toi. J'ai tout vidé, paniquez pas, c'est bon, j'ai de la place. En même temps, elle ferait déjà des petits... Oh là, j'ai vu les yeux de sa fille de l'intérieur, c'était bizarre. Mais tu fais encore des trucs bizarres, toi. Y a un piaf violent. Ouais, y a un piaf. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait des piafferies ou pas, lui? C'est celui-là qui balance les pierres, pas juste. Ouais. Par contre, moi je vois pas le marchand, ça m'inquiète, il est où? Je suis camouflé dans les hautes herbes. Je sais pas où il est, je vois plus de piaf en plus. Il prend un caillou! Piaf piaf, où es-tu piaf piaf? Ça va être pour toi ou sous le caillou? Il m'a loupé, c'est bon. Par contre, on peut descendre sans se casser une jambe. Du coup, je vois pas où il va. Allez, là. Manger des mangues, donc ça c'est bien. Non, sérieux, il est où le marchand? Normalement, il y a forcément un marchand ici. Oh, s'il n'y a pas de marchand. Non. Il est où? Ah là. Oups, je te laisse t'amuser avec le piaf, moi je cherche le marchand. Ouais, le problème c'est que. Oula, il y a un zombie aussi. Non, pour le moment. Il y a un lama! 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 Il faut que j'arrête dans les coffres, du coup. Je récupère le lama! Voilà. Ça marche. Il y a ouais, tu vas nulle part, toi. Deux, ça va être galère. Il y a aussi une biquette, si on veut. Non, par contre, je vois rien avec le lama. Ouais, fais gaffe, il y a un sanglier rouge. J'ai une visibilité zéro avec le lama. Ah, comme ça, c'est un peu mieux. Sanglier, le truc. Visibilité zéro. Oh, le marchand a fail. Non. Il est forcément quelque part. Ah bah, je peux la refaire. Il y a toujours un marchand sur ces îles. Allez, c'est juste qu'on l'a pas vu. Salut Pagis, tu veux mon lama? Ça a deux secondes, t'es où? Ah ok. Tu vas l'appeler comment le lama? Aucune idée. Moi je vous laisse choisir, je suis nul pour trouver des noms. La grotte elle est là. Le lama. Parce que dans calamar il y a lama. Ok. Ça sonne bien, non? Mais quand on l'appelle Bernard? Bernard Lama? Ouais, papa, ça, je sais pas si les vieux joueurs qui décideront la meilleure approche. Ouais, déjà qu'il arrive jusqu'au bateau, le lama. Je crois qu'il va mourir avant. Ah. Non. Après, on peut aussi l'appeler Pelote. Hein. Pelote? Hein. J'avoue qu'on le prend pour sa laine. Ah. Bah oui. Attends, si c'est comme ça, on balance. Ouais, je suis obligé de mettre en troisième personne là, parce que sinon on voit rien avec le lama. On le balance, tu vas voir, il veut pas la plus pelote, alors il balance. On me propose peluche. Ah, c'est qui a proposé ça? C'est Death. Bon, moi j'aime bien les peluches. On appelle les peluches. Bah, je pense qu'on aime tous des peluches. Hein. Toi, c'est les peluches de Nico, Pagis, c'est de démon, et moi, c'est de loup. On peut l'appeler Pal Amar parce qu'il y a lama. Ah, il est super gentil, le lama, il est rentré tout seul dans l'enclos. C'est un amour. Ah, voilà, tu peux l'appeler amour. Amour, gloire et beauté. Voilà. Non, peut-être pas.
Allez, vas-y, pose-toi, ça te piaffe. Et en plus, il est où ton copain, le sanglier de merde? Non, mais peluche, je pense que ça lui irait bien. Toi qui l'a balancé. Peluche, pelote, les deux lui vont bien. Il va balancer le bon truc. Hop, ça se dégage. Voilà, on va fermer. Bon, on vote. Peluche ou pelote? Peluche pour moi. Pour moi, je dirais peluche. Bah ouais, peluche, ça me paraît être le bon compromis. J'ai bu de l'eau pas bonne. Sinon, il y a quelqu'un qui a vu le marchand ou il n'y a pas de marchand sur cette île et c'est moche? Je sais pas, je suis occupé avec un sanglier et un piaf, moi, donc... Bah, je l'ai vu. Normalement, quand tu sors du radeau, il est juste... quand tu montes. Quand tu sors du radeau, quand tu montes, il est juste... En face. Ah non, j'ai vu l'autre méchant, là. Quand tu montes par le chemin, hein. Ouais, d'accord. Jeteur de cailloux. Il y en a après moi. Faut pas le camp. Bah, attends, oui, vas-y, chope-le pour le moment. Moi, je peux essayer de tuer le sanglier pourri, là. Méchant. Agis. Oula. Derrière toi. Oula, j'y vois plus rien. Attends, je vais essayer de taper le piu-piu. Ah, il a réussi à m'avoir first try. Eh oh, toi, le cochonou, là. Ah, il est là, le marchand. Il a planté sur lui, là. Ok, on va se prendre le marchand. La bib, cochonou. C'est bon. Par contre, fais gaffe, il y a le piu-piu. Hein. J'ai les poches pleines. Piu-piu, rigole pas. Hein. Bah, je suis trop chargé. Récupérer de l'eau parce que je suis à sec. Que pas derrière, je suis trop chargé. Faut pas le dire. Faut pas le dire que je suis trop chargé. Normalement, t'en avais un d'art sur le bateau. Hein. Je sais pas où tu l'as mis. Non. Non. Je trouve plus le radeau, oupsi. Je m'étais déchargé, c'est promis. Suis-moi. Jeter les feuilles. C'est où? Oh. Ah, j'arrive. Perdu. Il faut sauver le soldat Pagis. Aïe! Il est super doux. Est-ce que tu me vois? Non. C'est là où on a tué le sanglier. Méthode à Pagis. Ah ouais. Je suis tout à l'opposé là. On a même pas pris un level. Ça c'est moche. On a même pas pris un level. Avec le marchand. Du père. Il est là, c'est moi. J'arrive. Je crois qu'ils sont occupés, ils s'en fichent un petit peu. Ouais, mais attends, je vais courir. Et on manque de cuves en plus. Ghostprint, allez. Ghostprint. Pire, j'ai des mangues. On manque de cubes. Ça m'a couru de boissons et de miam miam. Ah, bah attends. Hop, j'ai. On va tout plaquer en appart. La boisson? Ouais. Est-ce que tu me vois? Ouais, c'est bon. Rupture de stock, j'ai vidé le stock. Y'a plus d'appât. Allez, viens. Au moins, on aura du sanglier à manger ce soir. Non, parce que les steaks de sanglier, on les garde pour des recettes. Ah, oui, sinon, on peut prendre du plastique. Vas-y, à chaque fois, il oublie ce truc-là. Ou alors du piment. Y'a quelqu'un sur le bateau? Non, y'a personne. Non. Regarde, le bateau est juste devant, Panis. Effectivement. Parce que je crois que j'avais déjà pris le poisson-chat. Du plastique, c'est moi. C'est mon plastique. Je vais prendre la salade de saumon. Fais gaffe, tu vas te faire mordre par un oupsi, puis après on aura une branche en plastique par contre. Un oupsi? Ouais. Je vais me faire mordre par moi-même. Ah ouais, par un oupsi. Oupsi, c'est pareil. Vous racontez des trucs bizarres, vous? Bah, on raconte que l'oupsi, il va mordre oupsi, et qu'après, oupsi devra mettre une branche en plastique. Attends, j'ai pas suivi. Oupsi va mordre oupsi. C'est ce qu'il a dit au début. C'est ce qu'il a dit au début. Il a dit oupsi, après, va mordre oupsi. Après, il y a une nuance entre oupsi et broussi. Et c'est là que tout le monde a perdu Pagis. C'est Pagis, ça, c'est Pagis. Cherche pas. Moi, j'ai pas cherché. Faut que j'aille chercher la terre. Voilà ce que je vais chercher. Oh, mais. Il y a rien qui se cuisine avec des mangues là-dedans. Hein. Est-ce que c'est terrible si je dis que j'ai plus de place? Quoi? J'ai plus de place. En fait, je t'explique, si tu veux, c'est oupsi. On te l'avait dit, hein. Et broussi. C'est broussi qui mord oupsi. Pagis, non. Et du coup, oupsi, tu vas finir avec une hanche en plastique. Ah, oupsi. S'il vous plaît, les viewers, ne l'encouragez pas. Mais vous avez pas tué le piaf. C'est mal de crâne que ça nous donne après à sa fille et moi, hein, quand vous le lancez là-dessus. Rip Pagis, ouais, Rip Pagis, hein. Là, j'avoue. C'est un peu
Sa fille, l'histoire est simple, c'est il est là, fille. Ton arc, Magis. Non, je suis pas là, moi, je suis pas là. Tu m'oublies. Tu l'as du bas, regarde, ton arc. Ah. Moi, je vais dans la grotte, je vais chercher la terre, même si j'ai plus de place. Ah, bah attends, il faut que je fasse un peu de place, du coup. Hein. Oh purée, mais lui aussi. Mais pourquoi ils ont jamais placé ces deux-là? Parce qu'il nous fallait la map pour faire les sacs à dos pour avoir plus de place. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que j'ai plein de bois, du coup. C'est beau. J'ai rien laissé. Hein. Ouais, moi, j'ai réussi à récolter un arbre, la... parce qu'après, je me suis agressé. Tiens, bon, c'est bon, je ramasse tout. Par un piaf. Ah. Vous trouvez son nom, piaf, alors. Piu piu. Piu piu. Piu piu, c'est un piaf, piu piu. Non, pas le bois ou pas du tout. Le coffre ici, là, regarde, viens ici, suis-moi le coffre. C'est quelqu'un qui veut refaire une pelle à la péter. Ah, ok. Bah, vas-y, je vais mettre plein de bois du coup, mais par contre, j'ai pas trop de plastique. Il faut faire une pelle, une pelle. Personne n'y m'écoute dans ce monde, ça, c'est terrible. Hein? Si, je t'ai entendu, il faut faire une pelle, qu'est-ce que je suis en train de faire, qu'est-ce que je suis en train de dire depuis tout à l'heure. Non, mais c'est elle qui écoute pas, vous avez vu les. Bah, en fait, c'est parce qu'en fait, si tu veux, ça fait, c'est l'histoire. C'est Oupsie et Broussie. Oupsie tombe à l'eau. Fini avec une broche. Attends! Il y a le vrai Broussie qui nous attaque! Ah non, il a cassé le radeau. Il est où le piou-piou? Pas gentil. Oh. Je vois plus le piou-piou! Je lui ai mis une flèche, mais je le vois plus! Il a cassé le radeau. Honteux. Il est où ce con? Non, voilà du plastique. Hein. Hop! J'ai une pelle de fabriquer! On n'attendrait pas qu'il fasse jour pour aller taper le Broussie-Brousse avant ou pas? Moi je tape le piou-piou-piou. Bah, on va pas tarder. Ta fille, j'ai fait deux pelles. J'en ai une sur moi et je t'en ai fait une qui est dans le coffre à bois. Raté, il était beaucoup trop loin. Arc. Tu lances ton caillou. Hein, quoi, arc? Bah non, on va pas sur arc, on est sur raft. Et flèche. Bon, ça va, c'est raft exile là, c'est bien. Tu l'as pas aimé celle-là de flèche, hein? Ah, on a déjà plus de viande de broussie, on avait tout mangé. Tout, tout, tout. Le duel épique. Le duel épique entre la Neko et le piaf. T'essaies de tuer le piaf? Bah attends, on va essayer de t'aider. Bah ouais. C'est maintenant, j'ai un arc. La biquette, tu te barres ou sinon je te jure, tu te prends une flèche dans les fesses. Bah je crois que... Je le perds de vue. Ouais, j'ai l'impression qu'elle veut avoir vraiment... Je le perds de vue à chaque fois. Par rapport au vendeur. Loin. Vas-y, déjà, elle a pas trouvé le vendeur. Elle a toujours pas trouvé le vendeur. Bah si, j'ai trouvé le vendeur, je vous ai dit, on a même pas level up avec le vendeur. On peut picher plus. Mais non, mais là, où est-ce qu'il va chercher sa pierre, lui? Il se moque de moi. Bah là, je suis en train de monter, on verra si on trouve. Hein. Il est où, ce con, là? Il vole, vole, vole. Ça, quand on y pense, ça fait Safi ou Psy Broussi. Mais non, mais. Il y a tout qui finit en I. À part moi. Après, si tu veux, on peut t'appeler juste Paggy. Hein. Non, c'est nul. Oh, je suis fait. Il est où? J'ai pris une pierre. Il est nous. Il va chercher la pierre. Safi, alors. Là, devant nous. Ouh là, tu vas te la prendre, la pierre. Je garantis, mon pote. Oh, tu l'as pas touché. Ouais, on dirait qu'il t'a un peu ignoré pour le coup, là. Il est passé derrière moi et. Ouais, ouais. Je l'ai entendu, mais je le vois pas. Bah là, il va chercher une pierre sur la falaise. Laquelle? Ouais, d'ailleurs, j'aimerais bien qu'il me dise où est-ce qu'il arrive à les trouver, ces pierres. Il est perdu de vue. Tu utilises quel outil? Touché en plein vol, joli. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? C'est qui le patron maintenant? Il l'a déplumé. Il s'est posé là-bas, à côté de l'arbre. Okay, Il a eu le temps de revoler par contre. C'est pas bon. Ouais, il a eu le temps de prendre sur une pierre. Ah, oh, mais non, bah, genre, il a fait une feinte. J'ai perdu de vue. Il est au-dessus de moi. Miam miam. Ah, putain, je l'ai pas dit. Ah, mais justement en fait. Ouais, il est de toi. Voilà, je crois qu'il a pris les deux de pierre, de flèche. Ah, bah, ah, oui, non, mais là, faut pas se poser en face de moi. Il est parti où? Il est parti sur la falaise chercher un caillou. Faut essayer de lui parler dans sa langue.
C'est pas un pigeon. Hey, ça met sur toi. Ah, c'est que ça marche. Non, c'était sur moi. Il a lâché sur sa fille. Ah, c'est parce que j'ai parlé, j'ai arrêté de parler. C'est pas un pigeon. Je... Laisse-moi parler avec le piaf quand même. Pas gentil. Ah bah, t'as communiqué avec lui. Voilà. Ouais, mais je dis des mots d'amour, je crois qu'il aime pas trop ça. Bah, en fait, dans son langage, c'est peut-être une insulte. Hein. Ouais, peut-être. Il est où? Il est proche de vous, en train de ramasser des pierres. Effectivement. Ah, il va essayer de... Ouf. Ah, tu m'as pas eu. Piou, piou. Où est-ce que tu vas chercher ta pierre? Il va où? Il y a trop d'arbres sur cette île, on le voit pas. Ouais, c'est con qu'on veut pas les casser, ces arbres. Ah, il est là. Ah, bah, genre, je l'ai pas eu. Genre, oh non! Bah. Il est où? Je sais pas. Ah, là-bas en face. Pas sûr, il va se poser là où j'étais tout à l'heure. Il est mort! Ouais! Wow. Il est mouru! Du coup, vas-y, tu l'as fait. Bah non, il est pas mouru, je viens de me prendre une pierre à la tronche. Il est pas mort? Comment ça, il est pas mort? Il est mouru. Ah, c'est pas mort. T'es fait il est mouru. Ouais, là, il est mouru. Je le récolte. C'est moi, il récolte. C'est moi qui ai eu la tête. C'est moi qui ai eu la tête. C'est moi qui ai le poulet. C'est moi qui ai le poulet. J'ai aussi un poulet. J'ai aussi un poulet. Vous avez la tête ou pas? Il y avait encore des trucs à ramasser dans la grotte ou pas? Oui. Ah bah attends, je viens avec toi du coup. Bah moi je vais rentrer au bateau parce que j'ai plus de place et qu'il va peut-être falloir donner de l'eau aux animaux. Et alors, aussi il va falloir agrandir l'enclos des animaux parce qu'ils vont avoir faim. Je crois qu'on peut monter là aussi. Non, tu ne peux pas. Pas monter, je peux essayer, mais je pense pas. Tu peux pas. Le petit bâton, on peut pas. Ah, c'est peut-être qu'on peut faire un truc comme ça. Je peux rouler, mais il peut pas. J'ai récupéré une caisse. Youhou. Aïe. Ah, bah tu vois, il y avait une caisse. Il est où le bateau? Je suis en train de regarder en haut. Ah, elle était là au-dessus, la caisse. Il est là, le bateau. Ouais, sur le poser là-dessus. Là. Petit bateau sur l'eau. Bonjour, ça. Il y a quelque chose là-haut? Non, il y a rien. Par contre, si on peut sortir par là, j'ai l'impression. Hop. Sérieux, je viens de me rater. Ça mène nulle part. Mais complètement. J'arrive pas à monter sur le bateau. Ah ouais, ça nous amène pile au radeau par contre en sortant par là, c'est bien. Parce que tu vas tout droit. Ouais, ça va beaucoup manger tout ça. Qu'est-ce qu'il nous faut pour agrandir l'herbe? Il faut récupérer des masses de plastique par contre. Juste des planches. Aussi, ça je vais récupérer, ça on va poser. Alors je vous ai raconté l'histoire de Oupsi et de Broussi. C'est une belle histoire. Ça y est, il va recommencer. Non, il fait du plastique aussi. J'aurais pas dû poser des plastiques. Il va recommencer. Y'a pas quelqu'un qui aurait un bâton anti-pagis, vous savez, on lui tape dessus, il arrête de parler. Ces trucs là. Mais c'est violent. Certes, mais c'est peut-être utile là. Sa fille, elle veut peut-être l'histoire, c'est pour ça que... Non. Si tu veux l'histoire, tu me le dis. Moi, je peux te faire un résumé. Si tu veux un résumé. Non, merci, ça ira. Est-ce qu'on a d'autres... Oui, il faut faire les sous-marins. Les sous-marins, maintenant. Ah, du coup, Broussi. Go, Broussi. Oui, pas juste Broussi. Il n'y a plus de place là-dessus pour mettre des... En fait, j'ai mis l'étagère au-dessus, mais... Tiens, mon beau Broussi. Mais y'a plus de place pour mettre des trucs. Oh non, il faut du cure-requin. Il est beau, je trouve. Moi, j'aime bien les requins. Est-ce que ça vous gêne si je pêche pendant que vous allez sous les fonds marins pour pouvoir revendre en fait pour monter notre... Ah, y'a un poisson blob là. Ok, m'écoute pas du tout. Adoupsi, viens vers moi, fais gaffe, y'a Broussi derrière toi par contre. Aïe, je vous parle. Par là, il est là. Là, face à toi maintenant, enfin, même face à moi, tu le vois là? Ah, là-bas, sous le caillou. Ah, mais dis qu'il est sur le caillou. Attention, je suis vexé. Attends, je vais essayer de m'occuper de Broussi Broussi parce que là. Je suis vexé. Pourquoi t'es vexé à cause de Broussi? Bah, parce que j'arrête pas de vous parler, vous m'ignorez. Je suis vexé.
On a le poisson blanc. Si on a rien dit, c'est que au final tu peux, vas-y, hein. Ouais. Je sais pas quoi, mais tu peux, hein. Ouais, il m'a pas écouté. Si elle a pu pêcher pour le marchand. Bien entendu. Quoi, elle pourrait pas. Qui est-ce qui t'a pas écouté, du coup, t'as pris ? Bah, pas juste, comme d'hab. Même si je réponds pas forcément tout de suite, je vous écoute. Pas juste, par contre, lui, il écoute rien du tout, il s'en fout. Non, mais il y avait des trucs intéressants, là. Il y avait Broussi, il y avait le poisson blob. Mais attrape-le, ton poisson blob. C'était le truc qu'on cherchait par... ok, attends, oh là là. Ma respiration. Ouais, du coup, ça, il m'a touché. Attends, Broussi, je respire un peu. Eh, miaou, Ayana, comment ça va? Ça écoute rien, oui. Non, mais on est d'accord, hein, ils écoutent rien du tout, les mecs, là. Oh. Du coup, ça fait, ouais, tu peux pêcher, si tu veux. Oh, merci, Pagis, de me répondre 3 heures après. Y'a pas de quoi, c'est un plaisir. J'ai plus de place, en plus. Si tu veux une réponse, c'est bonnement. Ouais, j'ai perdu Bruce. Ah, non, il est là. Oh là là, Pagis. Et c'est un phénomène, hein, moi, je vous le dis. Alpagis, ça va, il est là. Allez, Broussi, Broussi. Qui c'est qui a pris des soupes? C'est moi. Allez, j'avais faim. Soupes, j'en faites pas, j'en ferai s'il faut des soupes. Mais oui, on fera des soupes. Bah, écoute, ça, par contre, on parle de soupe, il entend. Ah ouais, allez, ouais, Broussi, Broussi. Bah, ça m'intéresse. À partir du moment où ça touche à la bouffe, voilà. Exactement. La terre, tu la mets où, Sophie, par contre, Broussi, par quelque part dans un coffre au pif. Il est résistant quand même, ce Broussi, je tiens à le dire. D'accord, donc ça veut dire au-dessus des mers pour trouver l'emplacement de la terre. Ouais, c'est ça. T'as tout compris. Broussi est mort, let's go. Mais je parie qu'il n'y en a plus et qu'elle, en fait, elle a tout sur elle. Let's go dépouiller l'île. C'est pas impossible. On place, d'ailleurs. Ah oui, je crois qu'on peut en place. Là. Mais là. Allez, hop, vas-y, on va sous l'eau. Vas-y. Ouais. Vas-y. On doit ton carreau pour les poissons de l'Inde. Il y en avoir d'autres. Ouais, il peut y en avoir plusieurs, il n'y en a pas qu'un seul sur l'île. Effectivement, j'en ai vu un deuxième. Combien de flèches sur les poissons de l'Inde? Deux ou trois. Il me reste une flèche, par contre, ça fait chaud. Non, une flèche, ça passe pas, il t'en faut deux ou trois. Surtout si elles sont en pierre. Si elles sont en métal, peut-être un peu moins, mais si elles sont en pierre, deux ou trois. Laissez-les arriver, je sais pas où t'es. Là, si tu vois le cas. Ça va, on va aller vendre tout ça. Cookie. Normalement, il est là, il doit être en face. Du coup, je leur casse les oreilles avec les cookies. C'était celui-là que j'avais vu. Pagis, c'est quand que tu nous fais des cookies? Moi, des cookies? Ouais. À la place des soupes, je veux des cookies. Ok. C'est une demande de Xena, ça? Non, c'est une demande de moi-même. C'est parce qu'on me donne des cookies, alors je veux plus de cookies. Moi, j'aime les cookies. Quoi, faut demander des cookies. Moi, je réclame j'ai les cookies. Des cookies au matcha l'autre jour. Mais c'est des giga cookies, hein. Ah, giga cookies. Giga comment? Bah giga, moi la taille, comment je pourrais dire, d'un bouquin, un bon bouquin, hein, à l'époque là. Un dictionnaire? Ouais. Un cookie de la taille d'un dictionnaire? Ah, ça c'est giga cookie. Ça c'est beau parce que vous voyez quoi, on peut boire dans l'eau. Avec notre gourde. Et ça, c'est exceptionnel. Parce que t'as une gourde hermétique. Mais c'est super profond. Par contre, y a pas grand chose, hein. Je vais crever. Vous êtes peut-être pas du bon côté. Et oubliez pas de récupérer les algues bleues, hein. Oh non. Je récupère toutes les algues. Les algues bleues, pour moi, j'en ai pas vu. Elles sont plus rares. Et faut les récupérer avec le crochet et elles sont au sol. Pour le moment, y a rien, moi, de mon côté. Faudra pas oublier de récupérer le cadavre de Broussi. Ah ouais, faut manger Broussi, c'est bon aussi le requin. Cookie! C'est vrai que j'ai eu un problème technique, que j'ai dû relancer un truc, parce que sur mon stream, semblait-il, on m'entendait pas. Hein? Ah bon? Du coup, j'ai relancé le chien, là, puis ça remarche. Pourtant, il était sur les bons réglages. Normalement, on m'entend. On t'entend. Nous, en tout cas, on t'entend. Ouais.